Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler d'un plus grand carnivore terrestre s'appelle l'ours polaire. L'ours polaire est le plus grand carnivore terrestre au monde. Son nom latin, Ursus maritimus, signifie « ours de la mer ». Un nom approprié pour ce géant qui passe l'essentiel de sa vie sur la banquise et qui est capable de nager en mer sur des distances importantes, parfois quelques centaines de kilomètres. Les ours blancs sont très bien adaptés au milieu arctique. Leur fourrure blanche les rend mimétiques, leurs oreilles de petite taille limitent la perte de chaleur et leurs larges pattes couvertes de poils, et légèrement palmées, leur permettent de marcher sur la neige fraîche sans s'enfoncer. Leur peau noire permet par ailleurs d'absorber la chaleur du soleil. Les ours polaires sont capables de repérer une carcasse à plusieurs kilomètres grâce à leur odorat très développé. Les phoques constituent leur proie principale. L'été, quand la banquise se réduit, ils se contentent néanmoins de proies de plus petite taille, renards, oiseaux. Leur peau au lard épais, riche en énergie, permet de répondre aux besoins des femelles affamées qui doivent allaiter leurs oursons quand la nourriture se fait rare. La banquise est vitale aux ours polaires car c'est à la fois leur lieu de chasse, de repos et de reproduction. Or, à cause du réchauffement climatique, la surface de la banquise décroît d'environ 13,4% par décennie. Les grands carnivores, ceux qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire, sont particulièrement sensibles à l'état de santé de leurs écosystèmes. Les atteintes aux populations d'ours blancs sont les premiers signes visibles d'une menace à plus grande échelle qui affecte l'écosystème marin arctique. Parfaitement adapté à son habitat, l'ours blanc possède une épaisse couche de graisse ainsi qu'une fourrure qui l'isole du froid. La couleur blanche de son pelage lui assure un camouflage idéal sur la banquise et sa peau noire lui permet de mieux conserver sa chaleur corporelle. Pourvu d'une courte queue et de petites oreilles, il possède une tête relativement petite et fuselée ainsi qu'un corps allongé, caractéristique de son adaptation à la natation. L'ours blanc est parfois considéré comme un mammifère marin semi-aquatique, dont la survie dépend essentiellement de la banquise et de la productivité marine. Il chasse aussi bien sur terre que dans l'eau. Son espérance de vie est de 15 à 30 ans. Cette espèce vit uniquement sur la banquise autour du pôle Nord, au bord de l'océan Arctique. L'ours blanc possède la morphologie d'un ours typique, un corps imposant, une fourrure abondante, une grande tête rectangulaire, de petites oreilles arrondies, une courte queue et des pattes puissantes et épaisses. Ses yeux, son museau, ses lèvres, sa peau et ses coussinets sont noirs. Sa principale particularité est d'être le seul ours à manteau blanc. Par rapport à l'ours brun, l'ours blanc a un corps plus long, tout comme son cou et son crâne, mais des oreilles plus petites. Le profil de l'ours blanc est également différent, avec un museau plus proéminent. L'ours blanc est, avec l'ours kodiak et l'éléphant de mer, l'un des plus grands carnivores terrestres vivants. Les mâles adultes pèsent généralement entre 400 et 600 kg mais peuvent parfois atteindre les 800 kg pour une taille de 2 à 3 mètres de longueur. L'ours blanc présente un dimorphisme sexuel important, généralement 2 fois plus petite que les mâles, les femelles pèsent de 200 à 350 kg et mesurent de 1,8 à 2 mètres. À la naissance, les oursons ne pèsent que 600 à 700 grammes. L'ours blanc est immédiatement reconnaissable à sa fourrure blanc jaunâtre, admettant une large gamme de variations individuelles et saisonnières, qui lui permet de se camoufler dans le paysage arctique. En réalité, les poils ne sont pas pigmentés en blanc, ils sont non pigmentés, donc incolores, translucides et creux. C'est la diffusion due aux réflexions et réfractions multiples de la lumière visible au travers de ces poils creux qui les fait apparaître blancs, de la même manière que la neige. Sous son pelage, l'ours blanc a une peau complètement noire, ce qui permet d'absorber le rayonnement qui parvient jusque-là de façon optimale. Certains oologistes ont émis l'hypothèse que les poils transparents de l'ours blanc seraient des sortes de fibres optiques captant et conduisant la lumière vers cette peau noire pour l'aider à rester au chaud. Mais, outre le fait que ce processus fonctionnerait alors dans les deux sens en favorisant le refroidissement nocturne, cette hypothèse est contredite par des études plus récentes. L'ours blanc renouvelle sa fourrure de mai à août. La fourrure est habituellement de 5 à 15 cm sur la majeure partie du corps. Cependant, sur les pattes antérieures, les mâles ont des poils plus longs qui s'allongent jusqu'à l'âge de 14 ans. On suppose que cela est une forme d'attrait pour les femelles, à la manière de la crinière du lion. L'étendue du territoire de l'ours blanc est limitée par la disponibilité de bancs de glace flottant sur la mer, utilisés comme plateforme de chasse aux phoques, sa principale nourriture, mais aussi comme espace de repos. L'actuelle disparition à un rythme accéléré de la banquise arctique menace directement la survie de l'espèce. L'ours blanc pourrait ainsi s'éteindre avant la fin du 21e siècle. Des signes avant-coureurs ont été observés aux extrémités sud-ouest de son territoire. Les ours blancs sont des animaux solitaires. Excellents nageurs grâce à leur couche de graisse, ils peuvent être vus en pleine mer à des kilomètres de toute terre. Ils nagent en utilisant leurs pattes avant pour se propulser et leurs pattes arrière comme gouvernail. Le pelage se gonfle d'air pour augmenter la flottaison. Sous l'eau, les yeux restent ouverts mais les narines se ferment, ils peuvent ainsi retenir leur respiration jusqu'à 2 minutes. Sa fourrure est si isolante qu'il lui arrive de souffrir de la chaleur. Ainsi, il se prélasse parfois sur la glace pour se refroidir. Sur Terre, il peut creuser à la recherche de la couche de pergélisol, plus froide que le sol. Le mode de vie de l'ours blanc est très différent de celui de son cousin, l'ours brun. En dépit de leur récente séparation au cours de l'évolution, ces deux espèces exploitent des sources d'énergie extrêmement différentes. L'ours brun est terrestre et l'essentiel de son régime est végétal avec un appoint de protéines animales, tandis que l'ours blanc est le plus carnivore des ursidés. Deux espèces de phoques constituent l'essentiel de son régime, Phoca hispida, qui atteint 60 kg, l'espèce la plus nombreuse en Arctique et formant sa proie principale, et Erignatus barbatus, pouvant dépasser 400 kg. Aucune de ces deux espèces de phoques ne se retrouve en l'absence de banquise, ce qui limite l'aire de chasse de l'ours blanc, mais l'ours blanc est opportuniste. Ainsi, une autre proie commune de l'ours blanc est le morse et il est aussi capable d'attraper des bélugas. Le pelage de l'ours blanc lui offre un excellent camouflage. Lorsqu'il chasse, il cache son museau avec ses pattes, ce qui le trahirait sinon. L'ours est également un bon pêcheur et utilise ses griffes pour harponner ses proies. La femelle peut jeûner près de 8 mois avant de mettre bas ses petits, habituellement 2 oursons pesant entre 600 et 700 grammes. Elle retourne ensuite rapidement sur la banquise pour chasser le phoque, sa nourriture favorite, ou attraper du poisson. Les bonnes années, l'ours blanc accumule une épaisse couche de graisse avant la débâcle. À cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, l'ours blanc éprouve de plus en plus de difficultés à chasser les phoques. Sa quête de nourriture s'est rapidement portée sur les zones de nidification des oiseaux, faisant des œufs une partie importante de son alimentation. Cependant, l'équilibre alimentaire de l'ours se voit perturbé, en partie parce que les œufs sont trop riches en protéines. Les mâles ne sont pas sexuellement matures avant l'âge de 4 ans, mais les femelles peuvent être mères dès l'âge de 3 ans. Elles ont rarement plus de 2 petits, à raison d'une mise bas tous les 3 ans, qui viennent au monde lorsque la femelle hiberne dans sa tanière au mois d'octobre et se contente du riche lait maternel pendant plusieurs semaines. Après sa sortie de tanière aux alentours de mars, la reproduction de la femelle a lieu en juin. Fécondée par le mâle, elle porte l'embryon pendant 5 mois, mise bas en décembre, alors que la gestation ne dure que 55 jours, la femelle produit ainsi une implantation différée, en, de l'embryon. La mère n'emmène ses petits hors de la tanière que lorsqu'ils sont âgés de 3 à 4 mois, c'est à ce moment qu'ils découvrent le monde qui les entoure. Les jeunes prennent leur indépendance tardivement, car l'ours s'occupe de toute leur éducation, leur apprenant la chasse et le choix d'une tanière. Il ne se sépare définitivement d'elle qu'à l'âge de 3 ans. Lors de cette période, les petits prennent beaucoup de poids grâce au lait produit par la femelle, qui contient 50% de matière grasse. L'ours blanc est sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Auparavant classé dans la catégorie « risque faible », dépendant des efforts de conservation, selon la liste rouge établie en 1996, l'espèce se trouve désormais dans la catégorie « vulnérable ». On estime que l'espèce pourrait disparaître d'ici un siècle à cause de la réduction de la superficie et de la qualité de son habitat. L'United States Geological Survey, USGS, a publié une étude sur les ours blancs. Si la fonte de la banquise dans l'océan Arctique se poursuit, leur population mondiale, estimée à 22 000 individus, diminuera des 2/3 d'ici à 2050. L'habitat des ours blancs est naturellement limité par l'étendue de la banquise et par les plaques de glace dérivantes dont ils se servent comme plateforme pour la chasse aux phoques ainsi que pour l'itinérance et l'élevage des jeunes. Ils ne visitent la terre ferme que pour creuser les tanières où les femelles mettent bas et sont donc menacés par la disparition de pans de plus en plus grands de la banquise. Son métabolisme ne lui permet pas de survivre sans glace d'une part et d'autre part les phoques peuvent de plus en plus facilement, de par le recul de la banquise, reprendre leur respiration hors d'atteinte de ce prédateur. Le réchauffement climatique restreint donc dangereusement l'habitat vital de l'espèce. Les premiers signes de déclin ont été observés dans les zones les plus méridionales de son implantation, comme la baie d'Hudson, et selon une étude publiée en 2016, aucun refuge de l'ours blanc n'est désormais à l'abri des effets du changement climatique. Certains modèles climatiques suggèrent même que presque tout l'océan polaire arctique pourrait être libre de glace en été dès le milieu du 21e siècle. Mais aucune solution alternative telle que l'introduction de l'ours blanc en Antarctique n'est sérieusement envisagée à l'heure actuelle. Les découvertes d'ours blancs noyés et de cas de cannibalisme, l'augmentation du nombre d'ours à problème cherchant de la nourriture près des communautés humaines arctiques sont rapportées de plusieurs régions. Ces observations sont cohérentes avec les prédictions liées aux changements causés par le réchauffement climatique. Les ours blancs trouvent leur nourriture la plus riche sur la banquise située à l'aplomb des plateaux continentaux, en marge des côtes. L'étendue totale de la banquise arctique présente au mois de septembre s'est fortement réduite ces 40 dernières années, passant de 8 millions à 4 millions de kilomètres carrés. L'habitat estival nécessaire aux ours se réduit. Leur période de chasse sur la banquise raccourcie, d'où un jeûne plus long. Et la glace, moins épaisse, risque davantage de dériver au gré des vents et courants et d'emporter les ours loin de leur territoire. Ces animaux doivent alors s'épuiser à nager en pleine mer pour trouver des plaques de glace hospitalières ou regagner la terre ferme, ce qui peut leur être fatal. En 2008, une femelle équipée d'une balise a ainsi nagé 687 km pour rejoindre la banquise, au large de la côte nord de l'Alaska. La chasse à l'ours blanc est pratiquée par les Inuits et les chasseurs de trophées. En 1972, les États-Unis ont signé le Marine Mammal Protection Act parce que la population de nombreuses espèces marines avait décru drastiquement. Ce texte de loi interdit de tuer, blesser ou même harceler toutes les espèces marines de mammifères, y compris les ours blancs. Elle interdit aussi l'importation de trophées d'ours blancs aux États-Unis. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.